peut faire les demi-clés comme ça, ou le nœud ou le finish. Mais si la petite hameçon, c'est pas évident. Enfin, ça va bien. Hein. Ou alors, il y a ça. Cet appareil que j'ai acheté qui va pas mal. Hein, autrement, le nœud ou le finish. On refait pour vous faire voir. Mais ça, sur les petits hameçons comme ça, c'est pas évident. Alors, on ramène. On fait un an comme ça. Et voilà. Et si la petite hameçon comme ça, c'est pas joli, hein, ça va pas bien. Donc on va ramener la petite hameçon, c'est pas évident. Ça demain, parce que là, la nuit, hein, c'est pas évident. Moi, je vois pas bien. Hein. J'ai bien les lunettes, mais il y a la loupe. Mais avec l'éclairage, on verra, on voit rien. Alors, il faut aller chiant, je coupe l'éclairage. Bon, un petit bout de vernis. Il est minuit 25, et je suis en train de faire les mouches. Bon, je vais terminer ça parce que demain il y a la brocante demain. Que je vais faire si je reste comme ça puis au bord de l'eau je verrai mieux la clarté du jour hein, si je suis quand même et puis tout jeune depuis 20 ans on n'a pas les yeux de 20 ans hein, petite mouche là, pour les ablettes je vois une petite fibre là parce que c'est hein, c'est un morceau de fibre. Ah, je vois pas. C'est un fil qui dépasse. Ouais. Bon, on arrangera ça demain. Ouais, c'est bon. Bon, ma petite mouche à ablette, hein, bien fournie. De fil. Ce qu'il fait là, celui-là, je l'ai bien coupé. Là. Ta mouche à ablette bien fournie. Pour demain. Attention, on ne le voit pas avec la caméra. Je vais arrêter pour ce soir, et puis on verra demain ce que ça va donner.